Bon, il y a du soleil. Ouais, Rafou, il devra avoir un nouveau peu de grippe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sens inverse maintenant? Enfin, il faut la réfléchir. Hein. Alors là, ouais. Attention au freinage au bout. Hein. Ouais, à ce cône, tu freines. Celui-là, ouais. Ah. tomber la tonnelle. Là le virage à graines. Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est... Ah oui, voilà, t'as raison, on était censé arriver de ce cône à ce cône. Voilà. Et après on tourne là. Salopard. Ah oh, mais lui. Mais fousse-toi donc. J'ai fait la même mais je relâche. Mais pourquoi elle dépasse? C'est quoi cette carreau pourrie? Ah ah! Oui, c'est ça. Ça marche pas dans ce sens là. Ben si. Ben non, parce que si tu prends celui-là là-bas, celui-là tu prends à l'extérieur. Ben oui, extérieur. Allez, roule une fois. Prends ton remoule. Ah, ils sont de l'opette qui me sort lui des fois. Ouais. Ouais, mais les grappes ça marche mieux. Tu peux demander à Michael si ça remet pas. Ah, ils se dépêchent pour tourner. C'est sympa. Ah, il y a des gens cool hein. Mais j'ai remarqué que globalement les gens se sont détendus à force de nous voir un peu partout là. Même t'as vu un hiver, ils étaient tous cool. Y'a pas un qui a râlé. De toute façon, comme dit maintenant que la terre qu'il y a partout, ils peuvent râler. Ah voilà. Ah puis sinon comme dit à l'occasion, j'irai poser des pavés encore. J'ai laissé tomber du camion. C'est des gros 20 par 20. J'en prends chez Fuchs là, une remorque pleine. Non mais comme ça quand il arrive à vélo, il pourra râler après le gars. Ah c'est fatal hein, t'as vu ça? Le vent s'est arrêté là-dessous et pourtant c'est quasi instantané. Hein. Ouais mais... Le vent de face, sur la ligne droite, tes pneus ils refroidissent. En fait, t'arrives au bout de la ligne droite, tes pneus sont froids. Et après, ils réchauffent un peu dans les virages et après, ça recommence. Joli! Non, mais chaque fois, hein. Là j'ai lâché les freins pour pas massacrer. Hein. Oh la vache. Ouais, ouais. Ouais, il faut pas qu'on monte par-dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a les graviers au-delà de la bande blanche. Donc t'as le côté d'une de la voiture qui commence à mouliner. Faut pas qu'on dépasse la bande blanche là-bas. On accélère trop fort sorti du virage là. Voilà. Là, c'est bien. On s'améliore, hein, on s'améliore. Tu vois la vidéo du début au Weldom avec la Viper, tu vois? Plo. Qu'est-ce que vous faites? On shoot des plots. Un pater C36 m'a sorti une bonne aussi. Il me dit, ouais, tes trajectoires s'améliorent. Ah, je fais, ouais, attends, j'ai toujours fait des bons chronos, c'est juste pas tout en caméra. Il me dit, ouais, avant t'étais ponceur de plots. Ah,
Déjà quand tout terrain avant j'étais castor. Et avant d'être pistard j'étais poseur de plomb. Ouais, là, faut bien freiner avant de partir. Hein. Ah, c'est plus funky quand on est roue dans les roues. Hein. Moi, je t'ai suivi. Hein. C'est bon. C'est pour ça que je suis resté là, moi. Le coup de soleil, c'est bon. Ah, oh. Ah, tant qu'il n'y a pas le vent, c'est bon. Le vent, c'est vraiment le pire. En plus, roue dans les roues, on roule un peu moins fort. Résultat, on fait des... T'as l'autonomie sympa et tu chauffes rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est que là-bas, il y a du verre aussi, tu glisses aussi. Hein. Tu les as vus? À cette distance? Ah, ça va. Je vois la couleur. Ah, j'irai pas compter non plus combien de morceaux, mais... J'ai les lunettes. Sans les lunettes, ouais. Je vois que c'est du vert, enfin c'est vert par terre, mais après... Ah, oh, quoi, salopio. Ah, mets-y du tien, sinon on va pas y arriver. Si tu me butes sur le trottoir, il va falloir mettre une... Vas-y, vas-y, oui, reste dans l'axe. Yes! Excellent! Moi j'ai fait mollo, j'étais du mauvais côté de la bombe là! Vise la flèche là! Pas la. Pas le kangourou là! J'ai pas réussi à rattraper dans le mollo! T'as vu, j'ai aucun grip latéral, elle accepte! Ah mais du coup ça donne un comportement équilibré à la voiture quand même. Après je dis pas quand il fait chaud, à mon avis ces pneus ça ira pas du tout. Là je vais. Tu sais ils vont se plier sur eux-mêmes et ça va être les tonneaux. Ah oh, dommage. Ça c'était nul maintenant. J'adore le bruit quand tu les poses. On mettra ce bruitage là sur la vidéo qu'on a dit. Ça, quelle heure l'alerte Lucette aujourd'hui? Ah ça va. J'ai tiré exprès plus vers le stop pour qu'il s'arrête. Mais j'ai tiré un peu trop long. J'ai failli faire un accident là. On fera best of bruitage. Un RC en PLS. Ouh. Ah. Ouh. Tain, j'ai plus de nouvelles de Drogan, hein. Zéro pointé. Hein. Comme il n'y a pas plus SMS, pas au mail, rien du tout. Il a disparu du compteur. Non, lui non plus, il n'y a plus de nouvelles. Bon, laisse, hein, on finit le pack. On tourne sur la flèche, c'est bon. Et ils râlent tous, ouais, tu préviens pas quand tu roules. J'ai envoyé un message à tout le monde, regarde, il n'y a personne. Ils ont tous un coiponné. Ouais, mais faut qu'on se prépare, on était le jour et plus tôt, il fera moins chaud le matin. Ouais, ça, ça.
Y'a pas un de tes voisins qui a un coq? Y'a pas un de tes voisins qui a un coq? Hein, donc, tu veux que j'organise ça? Ouais. Mettre un haut-parleur. Mets juste un haut-parleur devant la maison. Y'a ça, tu programmes ça comme 6h. Oh putain, c'est quoi ça? 8-7, t'as entendu? Bon, écoute, t'es réveillé, j'y vais. La première fois, elle va pas tiquer parce qu'elle va être dans le coma. La deuxième, on est mort. Parce qu'elle va sortir le coup fourré. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'elle va faire, c'est que t'auras un post-it dans le lit. Tu peux y aller, chérie, je suis debout. Tu vas te lever, tu vas y aller, elle sera déjà là. Avec le haut-parleur dans la main. Oh oh. Oh oh. C'est comme le vrai. Ah, regarde. À l'arrière. Ah, oui. On va aller voir, pas que le cardan il est parti. Il y a une roue qui danse. Ouais, mais ça c'est les triangles, hein, ils sont pas super solides. Hein. Hello, it works. Oh, 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 c'est comme le vrai. Tu vois, la King Motor, elle avait la même. Parce que là, j'ai remplacé les petits axes par des vis inox. Comme ça, elles se plient au cas où. Parce que les axes, ils tiennent que sur un côté. Parce que quand t'as un choc sur le triangle, tu pètes l'autre côté, en fait. Donc j'ai mis des vis à la place. Ouais. Regarde le cardan, là. Et c'est le porte-fusée qui a explosé. Ah ouais, moi, tu vois, comme quoi, donc, les plastiques Rowan, tu sais, ils disaient tous Rowan c'est pire que HPI, mais en fait, c'est bien les mêmes.